Et bonjour à tous, on se retrouve donc pour un nouvel épisode de ce Let's Play Banished, épisode numéro 11. Très très bon épisode numéro 10, puisque on a énormément d'habitants. 35 adultes. Là, on commence à être vraiment bien. Par contre, faut vraiment que je fasse gaffe à la bouffe, hein, parce que je vois qu'on a que 1000 stocks en bouffe. Bon, certes, on a encore un champ de maïs qui est en train de se produire, mais hop, on va baisser le time. Mais vu la population qui est montée d'un coup. Parce qu'on était à 20 il n'y a pas si longtemps, adultes. Hein. On est passé à 35 adultes, quand même. On a 9 enfants, 7 étudiants. On me parle que quand ils vont tous mourir, ça va être critique. Mais ça va. 10 enfants, maintenant. La relève est là. La relève est là. Putain, là, on connaît un essor immense après la petite crise qu'on a eue. Ça va. Vraiment, ça fait plaisir. Du fer, on commence à en avoir beaucoup, d'ailleurs. Je vais enlever un mineur de fer et je vais rajouter un tailleur de pierre. Et je vais rajouter aussi un cueilleur. On va faire comme ça, je vais rajouter un cueilleur parce que j'aurai vraiment besoin de nourriture, je le sens. Malgré que j'ai un champ de maïs là qui va être récolté bientôt, je vais avoir besoin de beaucoup de nourriture, je le sens, je sais pas pourquoi je le sens. Et je pense qu'on va s'attaquer au médecin bientôt. Ouais, je pense que c'est une erreur de pas le faire. J'attends de voir comment on va s'en sortir niveau nourriture. Je sais pas combien ça produit en tout ça en fait. Il met tout dans la grange ici ou pas? Ils vont où pour mettre les fermiers? Ils mettent là. Ouais, ça doit rapporter quoi? 500 maïs en tout? Ouais, c'est pas mal quand même. 500 maïs par an, ça rapporte. Allez. Je vais attendre que la dernière maison que je suis en train de construire se construise. Et puis après, on va s'attaquer donc au médecin. Vas-y, on va aller déjà construire. Alléluia. Oh là là là, on commence à être vraiment bien. On va laisser les deux bûcherons. Deux forestiers, ça fera peut-être peu. Mais en gros, on est plutôt bien. On a 4 tailleurs de pierre. Je pourrais. Ah, mais j'ai plus de forgeron. Je disais, je pourrais enlever le forgeron, mais c'est bon en fait. J'ai suffisamment d'outils. Hop là, ça c'est construit. Très bien. Et déjà, 2 habitants qui sont dedans. Alors, est-ce que je continue à faire des maisons? Ouais, je vais avoir 10 enfants qui vont arriver. La question c'est, est-ce que je m'attaque au médecin tout de suite ou je continue à faire d'autres maisons? J'ai plus de pierre aussi. Hein. Combien ça me coûte le médecin? Un hôpital, c'est pas l'hôpital que je veux faire, si c'est l'hôpital? Ah si, c'est l'hôpital. Les villageois m'avaient l'air de pas vivre recevoir des soins prodigués. Ça coûte 78 de pierre. Alors du coup, est-ce qu'ils font ce que je leur ai dit tout à l'heure de récolter tout le fer qui était là-dedans? Ils l'ont pas fait. Je crois que les bâtisseurs ils vont le faire automatiquement. Vérifier, voilà, collecte des ressources. On va laisser comme ça. On va attendre d'avoir pas mal de pierres. Tailleur de pierre, j'en ai 4 sur 9, je peux pas faire beaucoup plus. On va attendre d'avoir plus de pierres et on va lancer le médecin. Désormais adulte. Ok, très bien. J'ai déjà repassé tailleur de pierre. Donc du bois de chauffage, on en a. Je vais laisser plus en bois de chauffage. Hey Bok, ça va? Salut ce Squeak. Oui oui, ça va très bien et toi? Alors ta 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 ta. Bon bah pour l'instant on est bien. 36 adultes, 7 étudiants, 9 enfants. Est-ce que je pourrais pas construire autre chose quand même? Ça me coûte 42 pierres, c'est trop. Hein. Ça, la maison bois, elle me coûte rien en fait. Je pourrais vraiment spam les maisons. Mais les maisons de pierre, c'est tellement rentable. Ça me permet de moins mettre de monde dans les bûcherons en fait. Hein. Deux bûcherons là, ça me suffit amplement, par exemple. Ça me limiterait d'en mettre 3 ou. Ou plus. Allez, un enfant vient de naître. Très bien, parfait. Génial. J'ai 36 adultes. Ah là, je suis fan. Hein. Là, je suis fan de ma petite communauté du kebab là.
53 membres. Allez, au calme. Le moral est parfait. Non, clairement, c'est un médecin qu'il me faudrait. Mais j'ai l'impression que la pierre, ça récolte mal. Et j'hésite à en mettre trop, parce que si j'en mets trop, les gens, ils peuvent mourir. Enfin, on a déjà eu des morts hein, par de chutes de pierre. 12. 1, 100. 44%. Je vérifie aussi l'état de Bégrange. Bon, là, on va la grange à 1%, 10%. 46, il stocke pas mal dans les maisons en fait. Non, clairement, il me faut plus de pierres. Alors, j'ai des bâtisseurs qui sont un peu. Qui servent pas à grand chose. Je vais leur dire d'aller chercher les pierres. Le problème, c'est que là, ils vont les chercher vraiment loin. Je vais faire ça, ouais. Je vais leur dire de prendre les pierres qui sont là. Regardez, regardez-moi toutes ces pierres là. Il y a rien. Plus rien. J'ai déjà pris toutes les pierres qui étaient dans mon coin ici. Alors par contre j'ai fait ça mais je vais faire une route hein. Parce qu'ils vont mettre 3 ans à y aller là-bas. Je vais pas faire une route de pierre, je vais faire une route tranquille. Ça va leur mettre du temps à faire ça. Mais au moins j'ai une route voilà, qui va prendre toutes ces pierres là. Et j'ai eu quelqu'un qui est mort ouais. Je vais enlever un magasinier. Ah oh, bah j'ai un mission qui vient d'arriver. Ok très bien. On va laisser comme ça. Ok bon la neige c'est critique hein. C'est triste. Boîte de chauffage, on tient le coup. Hein. Au calme. Nourriture bien. Les outillages bien. Les vêtements. Alors, est-ce qu'il y a encore du cuir hein? Tu travailles encore? Ouais, du travail encore. Il y a encore ce qu'il faut pour travailler. Par contre, tu vas plus travailler longtemps parce qu'il n'y a plus de cuir. Hein. Ouais, voilà. Le tailleur, je l'enlève et je vais le mettre en travail du pierre. Tailleur de pierre. Et dès que je passe à 200 de fer, ce qui est bientôt arrivé, on va passer au charbon, je pense. On va essayer de tester le charbon, on n'a pas fait de charbon encore. Et on sera bien moins tranquille. Après une intervention du PSIG, des gendarmes, et la PSIG pas loin de chez moi. Ah, comment ça, il s'est passé quoi, Squeak? PSPG, je vois pas ce que c'est PSPG, c'est quoi c'est là d'intervention, gendarmerie. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Allez, hop, on va passer à du charbon maintenant. Allez la pierre il m'en faut plus. On va pouvoir se faire cet hôpital. 78 de pierre. Nouvel étudiant et un nouveau bébé. Oh là 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 là. Faut que je fasse des maisons aussi. Faut que je fasse des maisons aussi. C'est un début du printemps, il neige. J'espère que t'as pas fait. Ils ont commencé à faire pousser les cultures. Faire gaffe parce qu'il y a des cultures qui pointent mauvaises. Il me faut plus de pierre. Allez, 38 adultes. Oh là là, on a doublé notre population en 2 épisodes. C'est fou. Encore un nouveau adulte. Allez, au calme. Bon ça va, j'ai pas de sans-abri donc ça passe mais bon. Allez un hôpital là, il me faut vraiment un. Je te mets au travail du pierre hein. Allez allez on se fait de la pierre. Et du charbon je vais pas tarder à en avoir aussi. Ah c'est cool.
Le bois ça va, mais tout tourne bien, on a une très bonne économie. Le moral est parfait. Ah voilà, mais j'ai eu un nouveau 1, mais j'ai eu un mort. Mort de vieillesse, ça me rassure, hein. Ce qui était tailleur de pierre, j'ai eu peur. Mort de vieillesse. Très bien, la population elle se remplace quand même, c'est cool. En gros, il copie-colle de l'article et ça donne ça. Une voiture immatriculée en Belgique avec son bord deux hommes suspects, c'est un témoin qui vient du 16 novembre. Tout après-midi, alerté les gendarmes, ces derniers ont immédiatement déclenché le plan épervier avec le renfort en hélicoptère descendant de Paris. La berline allemande avait été repérée sur l'autoroute. D'accord. Ah, c'est le mec qu'on cherche là, le terroriste là. Saloperie de terroriste. Qu'on a toujours pas chopé d'ailleurs. N'importe quoi. Allez, on va bientôt avoir la pierre nécessaire. Alors, est-ce qu'ils ont fait le chemin que j'aurais dit de faire? Oui. Ils l'ont pas fini d'ailleurs le chemin. Ils sont en train de le finir, comme ça après ils pourront récolter. Bah, vous voyez là, toutes les petites croix jaunes là, c'est sûr que ça, je veux qu'ils les récoltent. Donc, les bâtisseurs, quand ils ont rien à faire, et bah, ils iront récolter tout ça. Si vous voyez ce que je veux dire. Allez, on va se lancer, on va le construire. Hein. On va le construire, mais on va pas être pressé pour l'avoir parce que ça risque d'attendre un peu. Et donc, il n'y a pas de champ d'action. Donc, on peut le faire un peu n'importe où on veut. Mais on va plutôt le mettre dans le bourg. Genre ici. Genre là. Allez, hop, c'est construit. Très bien. Allez, je m'absente juste. Ah, mais qu'est-ce qui se passe ici? Ah, j'ai atteint le combustible max maintenant. Bah on va attendre les 2000 de combustible. 3000, tiens. Ça ne servait pas à rien. Voilà, comme ça. Je m'absente juste 30 secondes. Faut que j'ouvre ma chaîne d'extérieur. Je reviens. Il y a un marchand. Alors, qu'est-ce que t'as à me proposer? Je me propose du cuir, c'est ça? Une quantité zéro? What? Mais tu me proposes rien en fait. Et là, c'est un coup de 12. Ouais, bon bah il n'a rien à me proposer en fait. Ok, j'ai un fermier qui est mort. MP, il est remplacé. Ok, très bien. J'ai plus de bâtisseurs qu'il n'en faut. Est-ce que je ferais bien de la construire? Oui. En plus, j'ai la pierre nécessaire. J'ai beaucoup de fer. J'ai du charbon. Donc avec le charbon, on va pouvoir faire des outils, si je me rappelle bien. C'est genre ça. Outils, bois brut, fer, charbon. Et ça fera des outils en acier. Je pense qu'il sera mieux. Donc, après, on va pouvoir mettre quelqu'un dans les outils en acier. Ah, la quantité de pierre en réserve est faible, je sais, je suis au courant. Mais normalement, j'en ai qui doivent travailler ici. Ok. Et ben, on est vraiment bien là. J'ai un forestier qui est mort. Merde. On commence à avoir des morts quand même là. Genre j'ai plus de travailleurs, du coup je vais enlever un bâtisseur. Que ce soit travailleur. Niveau bouffe on est ok. Tout est bien. J'ai personne ici, est-ce que j'ai du cuir? Par hasard, j'ai 26 cuir. 4, j'en ai pas suffisamment. Ouais, faudrait que je pense aussi à faire une autre cabane de chasse. Adultes, 6 étudiants, 9 enfants. Ok, très bien. Ok, ça a déjà mis toutes les pierres. Il y en a déjà 33 pierres. Cool.
Est-ce qu'ils font le truc que je leur ai dit de faire ici? Non, de toute façon, là, j'ai énormément de boulot, là. Ben voilà, je vais avoir un hôpital. On va pouvoir mettre un médecin, et donc on regarde un peu nos cœurs, et il va falloir améliorer tous ces cœurs-là. Hein. Je vais enlever quoi? Peut-être un... Je vais peut-être enlever un bûcheron. Ah non, je vais le laisser, le bûcheron frais, le plus gros stock au cas où. Forestier, je vais les laisser. Je peux enlever un pêcheur à la limite, peut-être. Peut-être. Voilà, j'ai beaucoup de pop, mais il m'en faut encore plus. J'en veux plus encore. Ok, on a l'hôpital. Je vais enlever un pêcheur. Et j'ai maintenant un nouveau médecin. On va voir si d'ailleurs on a des patients. On va laisser comme ça. On va voir s'il y, y aura des patients. Voir comment ça marche un peu le système. Et là, ça va sûrement prendre des plantes médicinales. Hein. Il va falloir remettre des gens en herboriste parce que ça sert plus à grand chose. Un nouvel enfant, Malaysia. Malaysia vient de naître. Pas mal comme prénom ça, Malaysia. Bon, ça fait un peu penser à la Malaisie, mais mais voilà. Et ouais. Mais oui, mais oui, mais oui. Mais oui. Allez, il me faut plus de pierres. Plus de pierres, s'il vous plaît. Je suis bien à 10. Hein. Ah, je suis pas à 10. Allez, on passe à 10. 10 de vitesse. Dès qu'on peut, on va reconstruire une maison. Je pense qu'on va la construire soon. Ah. Mort de vieillesse, notre enseignant. Quelqu'un l'a remplacé, mais on peut avoir un autre mort de vieillesse bientôt. Donc il va falloir faire en sorte. J'ai enlevé un tailleur de pierre. Parce que je veux garder un travailleur quand même. Ok, quelqu'un vient de naître et un nouvel étudiant était là. Très bien. Zéro toujours patient, ouais. On va se faire une autre maison en pierre. Voilà, on a suffisamment de pierre. On va la faire en face de l'hôpital. J'aurais pas la place, moi. Comme ça. Il y a un truc que j'ai pas construit, c'est des puits. Ah, quelqu'un qui est mort de vieillesse aussi. Aïe. Qu'est-ce que je peux enlever? J'ai enlevé un autre tailleur de pierre. Hein. Là, j'ai aussi la construction donc d'une nouvelle maison. Donc il y a un truc que j'ai pas fait, c'est la construction de puits, ça c'est pour les incendies, on n'a pas eu d'incendie encore. Je sais pas trop comment on peut en avoir, mais c'est vrai qu'il faudrait y penser au cas où si on en a. Parce que c'est vrai que les bâtiments coûtent cher quand même. Pour l'instant toujours zéro patient, donc je me demande si ça sert vraiment à beaucoup de choses le fait que j'ai mis un... Ouais, il y en a bien qui sont fatigués là, qui ont besoin. Ok, un nouvel enfant vient de naître. J'ai 11 enfants. Bon, en fait, ça j'agrandis encore ma croissance. Hein. C'est la folie. Hein. En fait, ils peuvent tous mourir. Y a pas de souci. J'ai la relève derrière. Et ma maison est construite. Et ben, je vais en lancer encore une autre. Hein. Faire plein de maisons. Hein. On va faire plein de maisons, les gars. En faut beaucoup, surtout dans ce coin là parce que c'est le coin où on travaille. Je vois si le cimetière s'il est pas rempli. Non, ça va très bien. La bouffe ça surveille aussi, ça va, on tourne autour de 1500-2000. Bois de chauffage on est en constante augmentation. Par contre en bois brut on commence à en avoir un peu moins. Je vais enlever un bûcheron et je vais le mettre en forestier. Et j'ai un nouvel enfant encore qui vient de naître. Alléluia. Alléluia. Alors ce qui va m'intéresser maintenant, ce sera de faire de mettre 9 chasseurs. C'est un peu ma monnaie d'échange. Si je veux acheter d'autres choses. Alors là je commence à avoir 38 de cuir.
Et 10 de cuir. Je vais pouvoir remettre quelqu'un en tailleur bientôt. La maison que j'ai construite est déjà faite. Ah ouais. Ouais, ils sont rapides. Hein. Je vais en faire encore une. Ah ouais, je construis à fond les maisons. Hein. On en a jamais assez. Hein. D'ailleurs, je vais la construire. Je vais la construire ici, celle-là. Attends. Bâtisseur. Là, ça me coûte 42 pierres, on les a pas. Si on les a, très bien. Hop, je renlève un bâtisseur. Parce que je suis un mort. Oh, on est lancé là, on est lancé dans le game. C'est vraiment plaisir, ça se construit vraiment vite. Plein de maisons, on en a partout des maisons. Elles sont pas toutes remplies, mais comme on dit, voilà, les vieux, après ils ont besoin d'être dans une maison tout seul. Là, quand je vois ça là qui est pleine, et à un moment, voilà, tous ces enfants là, ils ont besoin d'être tout seuls dans une maison. C'est bien, ils ont fait deux garçons et une fille. Ça va se construire vite, regardez, ça se construit vite. Hein. Allez hop, la maison est déjà construite. Et 8 étudiants, 10 enfants. Oh là 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 là. Il m'en faudra des maisons. Est-ce que c'est en train de me récolter ce que j'aurais dit de faire ici? Non. Oh, ça va te faire petit à petit, je pense. On va se refaire une cabane du chasseur. Je vous en ai parlé, hein. Faire là. Faut que je sois encore dans la zone en fait. Faudrait que je sois dans la zone du marché. Et cabane de chasseur, une nouvelle cabane de chasseur. Deux enfants viennent de naître. Alléluia. Parce qu'on soit à une vitesse. Ah, un marchand. Mais bon, j'ai pas grand chose à lui donner. Ouais, t'as... Enfin, c'est le même que tout à l'heure, hein. T'as du cuir, mais... Comme ça, hein. D'ailleurs, je commence à avoir 88 manteaux, c'est pas mal. Ma cabane de chasseur va être faite. Ouais, ouais, ça se construit grave, grave vite. Donc on va continuer construction des maisons et on va mettre plus de chasseurs, donc plein de pots de cuir et on est bien. J'aime bien là, comment on est parti là. On est bientôt dans les 50 habitants, j'avais dit en plus l'objectif aujourd'hui ce serait de dépasser les 50 habitants. Je crois qu'on va pas être loin de les faire. Je regarde l'hôpital, pas de patient. Bon, je me demande si ça sert vraiment de me... J'aurais mis un médecin. Alors ok. Alors je vais enlever deux constructeurs et je vais mettre trois personnes dans la chasse. Alléluia. Et je vais mettre un adulte en tailleur. Des vêtements au cuir et revendre tout ça. Parce que là, je pense que j'en dois en avoir pas mal. 38 cuir ici et 16 là. Et puis là, j'ai racheté un truc de chasseur pour que ça construise encore plus. On va refaire des maisons. Faire une maison ici.
Je vais lancer deux maisons en même temps. C'est un peu grid quand même, non? Ouais, deux maisons de part. Ça c'était beau hein, quand il neigeait pas, il y avait juste de la neige par terre. Ça c'est un début de printemps ça, vous avez pas commencé à faire pousser j'espère. Bon, c'est bon. Allez, j'ai lancé deux constructions en même temps, c'est un peu grid quand même. J'ai mis qu'un seul bûcheron, mais ça va, je tiens le coup, hein, 1500... Oh la bouffe, j'ai pas vu ça! On a plus de nourriture. Ah, j'ai mis du monde dans la bouffe directe. Hein. Ah, j'ai mis du monde dans la bouffe directe là. Eh, ça monte vite. Ouais, non, on arrive pas à avoir les bons stocks. Faut qu'on fasse des gros stocks là de bouffe. Attends, la chasse ça va jouer là-dessus quand même. J'ai enlevé pas mal de bâtisseurs, mais. Allez, les. C'est quand la récolte de ça déjà? Ça me fera du bien quand j'aurai la récolte de ça, mais c'est vrai que là va falloir faire s'attaquer plus ça parce qu'on a 39 adultes, 13 enfants! Waouh! Là, toutes mes interfaces elles sont parties. Le journal d'événements il a. Ah, j'ai... Ouais, bah j'en ai 3 qui, sont... qui viennent de naître. Ouais. J'ai perdu un forestier, bon, c'est pas grave. J'ai deux nouveaux adultes. Je vais tout mettre dans la pêche. En fait j'ai qu'un bâtisseur depuis tout à l'heure hein, et du coup il construit hein, la pêche, hein, il construit tout seul. Hein. Je lançais deux bâtiments en même temps. Ah la bouffe je vais être blindé là. Enfin je rajoute d'autres, peut-être de la cueillette. Enfin, j'attends de finir de construire mes deux maisons. Et puis on va s'attaquer en mode bouffe là parce que... En fait les maisons, en fait, le fait qu'elles stockent de la nourriture, elles vont capturer toute la nourriture que j'ai mis dans le marché. Et ce sera pas pour les autres. Il faut vraiment que je fasse un gros stock. Voilà donc hop là j'ai une maison qui est faite, il y a déjà des habitants dedans. Regardez hein. Ah ouais c'est vite rempli hein. J'ai plein de maisons partout mais... Ça se remplit vite. 69 ans, ça va bientôt mourir ça. C'est méchant de dire ça. Allez, construis-moi cette maison. Je crois que j'ai fait ma culture, c'est pour ça que je suis monté à 500, mais ouais. Faut pas que je me repose sur mes lauriers. Je vais construire ça et puis après, cueillette. Il y a déjà deux habitants dès le début. Hein. Et ça va pomper direct en nourriture. Okay. Je vais mettre ça en bâtisseur et je vais créer donc de la cueillette. Ça me coûte ça en fait.
ça va, ça coûte pas grand chose. Et je vais utiliser ma pierre là. Ouais, j'ai plus de bouffe hein. Donc là les cueilleurs il va falloir les mettre dedans là. Salut, t'es en quelle année? Année 33. T'es chauve, oh my god, rip les cheveux Bok. Ouais mais oui, moi j'ai à la base je suis comme ça, moi j'ai les cheveux courts. C'est juste que genre j'avais les cheveux trop longs, c'est ça le problème. Puis là je me suis assoupi, je vois que ça se maintient bien. Eh t'as vu? Eh 41 adultes. Eh les mauvaises langues. Ah j'ai mis 3 chasseurs l'un côté de l'autre hein. Alors si tu dis qu'ils sont moins productifs, ça je savais pas. Non alors, honnêtement là j'ai un souci de bouffe là, j'arrive pas à faire des gros stocks. Mais là on avance grave vite. Ah y'a un marchand. Et j'ai 95 vêtements. D'ailleurs j'ai mis personne pour ramener les vêtements. Graines de châtaignier. Bah ouais, allez. On va s'acheter des châtaignes, très bien. 2500 ça me coûte. Ah j'ai passé. Alors pause. Faut quelqu'un en magasinier qui me ramène les vêtements que j'ai à donner. J'ai pas construit encore ça. Ouais je vais laisser comme ça, il faut de la bouffe en fait. Tout ce qui bouffe, ça m'intéresse. Les réserves de nourriture sont faibles. On est à 520, mais ça suffit pas. Ouais, 41, 10 étudiants, 10 enfants. On est vraiment bien dans le game là. Est-ce que maintenant t'as ramené tout ce que je voulais que tu ramènes? Ouais, très bien. Sous-payé, ok. Ouais, mais là je surpaye. Ouais. Échanger. Hop là, j'ai acheté des châtaignes. Allez, construis-moi ça s'il te plaît. D'autres enfants, très bien. Je vais enlever un bûcheron. Ouais, 1500, ça devrait suffire. On a 20 bûcherons. Mettre là-dedans. Mettre là-dedans. J'enlève un bâtisseur. Non, j'enlève un bâtisseur. Du coup, cueilleur. Je vais enlever mon tailleur aussi. Et je vais le mettre en cueilleur. Oh, j'avais pas vu mes forgerons direct. Ah, j'enlève tous mes bâtisseurs. Hop, forgerons. Et je vais enlever mon magasinier. Et je vais laisser mon travailleur. Vas-y, on va faire comme ça. Allez, là faut que je me fasse un stock de bouffe en gros. Il me faut des outils. Forgerons direct. D'ailleurs, j'ai quoi? J'ai 72 charbon. Tu vas me faire des outils. Avec le charbon. Bon c'est pas beaucoup de charbon mais voilà ça prend quand même des outils, voilà, des gros outils de foufi du fifou. Au niveau bouffe là, on peut être coqué là, allez 6 cueilleurs, 9 chasseurs, on peut être coqué. En général on fait un bloc avec un forestier, un chasseur, un cueilleur et un herboriste, puis on passe à un autre endroit. Il chevauche pas la zone de ton premier bloc. D'accord, bon bah j'ai merdé sur ce coup là. Je savais pas. Bon, c'est pas très grave.
Bon, le bon côté des choses, c'est que j'ai plein d'enfants. Le bon côté des choses, c'est que je commence à avoir une pénurie de nourriture. Vous voyez, là, je suis tombé à 1002 de nourriture, d'un coup, je suis tombé à 600. Donc, voilà, c'est bon, là, j'ai pas mal de monde qui sont passés adultes, il me faut plus de maisons. Donc, plus de maisons et plus de nourriture. Donc, hop là, pêcheur, 8 sur 8. Cueilleur. Comme ça. Voilà, c'est bon, je commence à me refaire des petits stacks de bouffe. Pour qu'on tienne le coup, là. Et on va recommencer à faire des maisons. Hein. D'ailleurs, hop là, deux étudiants. Oh là là, les... ouais, on a dépassé les 50 des peuples là. Ouais, ouais, ouais. 44 adultes, t'as fait dîner aux enfants. Génial. Du coup, j'ai mis deux bâtisseurs et bah c'est reparti. On va se faire des maisons. On va se faire des petites maisons, 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 maisons. Une maison là. Et j'ai limite envie d'en lancer deux d'un coup, tiens. En mode grid. Elle lance deux d'un coup. Deux d'un coup. La bouffe, on commence à être ok. Tailleur de pierre, ok. Mineur, ok. Le forgeron, il fait ça, des outils bien comme il faut. Forestier, je m'enlève un forestier. Et je vais mettre un bâtisseur. Faut que je fasse gaffe, je la remette après en forestier. Mais là, oh, au calme, hein, au calme on est. Et encore un nouvel enfant, 13 enfants, 9 étudiants. Allez, mauvaise langue là, hein. J'ai quelqu'un qui est mort, hein. Son métier était pêcheur. Ouais. Oh la nourriture, comment je la perds. Faut pas que j'oublie que j'avais fait des graines de châtaignier. Hein. Ouais, j'ai des graines de châtaignier. Je vais lancer ça en construction directe. Alors ça va être là. Et les deux maisons sont construites. D'ailleurs, j'ai un pêcheur qui est ici. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que t'as à me proposer? Des graines de poivron. Non, ça attendra. J'ai pas assez de manteau en cuir, de toute façon. Ça attendra. Bon, bah, ça va être la fin de cet épisode, les amis. Qu'est-ce qu'on peut dire? 43 adultes, 11 étudiants, 12 enfants. Là on est bien en game, on a fait énormément de maisons, on est en train de faire bon bah pas mal de bouffe. Là on va passer au châtaignier. Là on est plus que bien, on est vraiment bien. Qu'est-ce que tu m'as dit? Au pire, du pire tu peux mettre un deuxième forestier dans le bloc qui ne fait que planter des arbres, comme ça ta forêt s'épaissit. Puisque plus de racines, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Astuce, ne mets pas de champs l'un à côté de l'autre. Car quand il y a une maladie d'arbre, ça peut se transmettre. D'accord. Mais après, je les ai pas vraiment collés. Hein. Je vais faire une route entre les deux. Ok, les vergers, ok. Donc pas deux vergers à la suite. D'accord, très bien. Ok. Bon, bah c'est fini pour cet épisode numéro 11. C'est ça, hein? Oui, oui, épisode numéro 11. Ouais, 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 ouais. Je commence à avoir des doutes, mais oui. Pas mal de choses, je suis assez heureux hein, de tout ce qu'on a fait quand même. On a vraiment, 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 vraiment bien avancé. Vraiment bien avancé. Allez, je vous dis à bientôt pour l'épisode numéro 12. Merci d'avoir suivi cet épisode. En tout cas, mettez des pouces bleus, plein de pouces bleus s'il vous plaît. Et à très très bientôt. Et bien sûr, le kebab vaincra. Ciao, 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 bye bye.